Tu n'es toujours pas allée chez le coiffeur. Tu devrais quand même, tu sais. Ton ami a vraiment un appétit monstrueux, ma chérie. Ça fait combien de temps qu'il n'a rien mangé? De la visite! Kitou, cache-toi, vite! Qu'est-ce qui se passe? Hé, salut! C'est quoi ce truc-là? Mon grand-père et moi, nous sommes chargés de la sécurité de la fête du lac. Et c'est avec ce talkie-walkie que je reste en contact permanent avec lui. Nemo, rejoins-moi. Le maire vient cet après-midi avec le contrôleur des attractions. Ça vous dirait de venir avec moi? Waouh! Génial! Moi qui adore faire la fête! Mon petit pamoisi! Gros gnogne! Qui c'est qui joue avec nos lumières? Nom d'une baraque à vermine! L'équipe une nous pique notre jeu! Là, ils sont allés trop loin! C'est la goutte d'eau nez qui fait déborder la vase! Et voilà, tout est branché! La sécurité avant tout, monsieur le maire! J'inspecterai tout avec la plus extrême minutie! D'ailleurs, à la moindre défaillance, votre fête sera tout simplement annulée! Bah. Oh oui, mais vous savez, tout a déjà été passé au peigne fin. Vous pourrez le constater vous-même. Ah, voici mon équipe de sécurité. Mes deux agents de haute sécurité. Monsieur Bibi, gardien du parc, et Nemo, son petit-fils. Vous faites confiance à un gamin pour un problème aussi délicat que la sécurité du public? Nemo habite ici. Il connaît le parc comme sa poche et je vous garantis qu'il a l'œil comme personne. La fête, on va leur montrer un peu ce que c'est que la fête à ce qui pue. Ouais, on va bien se marrer, on va leur montrer comment on s'amuse nous aussi. Tiens, donne-moi ton sac, je vais le garder dans la locomotive. Merci Nemo, j'en connais un qui va être drôlement content. Tout à l'heure. Waouh, c'est géant, Nemo. Mais où le commandant de bord a-t-il eu son permis de navigation? Oh, maudite Babork! Suis-moi, Kitou! Youpi! Nemo veut sûrement nous impressionner! Waouh! Inconfortable!
Attention! Couche-toi! Ah, je vois. Vous avez opté pour une version aquatique du train fantôme. Oh, qu'est-ce que c'est? J'adore les grands frissons. Fallait y penser à ça. C'est quand même amusant, non? Oh non! La famille au grand complet! Ce n'est qu'une répétition, évidemment! Qu'est-ce que tu sens mauvais, le gros? Ouais! Cassez tout! Pas les pattes! À la une, à la deux et à la trois! À ton tour! Évidemment, il s'agit de comédiens cascadeurs habitués à porter ce genre de déguisement. Que pensez-vous de cette répétition, cher ami? Oh, vraiment très réaliste. Peut-être même un peu trop, je crois. Les enfants pourraient être effrayés par ces horribles déguisements. Moi, j'ai même pas eu peur, papa. On gagne quoi quand on fait tomber un vilain poilu à l'eau? Bien, attraction validée. Oh. Boucle-là! Il y a un cerveau ici, c'est moi! Alors décollez vos grandes oreilles, d'accord? Écoutez bien ce qu'on va leur faire. Ha ha! Ça va péter pour l'équipe U! On va leur mettre le feu aux fesses! Raté! Oh, encore raté! C'est difficile, ce truc! Je peux essayer, papa? Tiens, vas-y, le bourreau, c'est 50 points! De cette salle de régie, nous pourrons contrôler absolument toute la fête. Pas mal, c'est assez impressionnant. Hé, hey, papa, regarde, c'est lui le poilu. Comment ça, Max? Qu'est-ce que tu dis? Bah, je l'ai vu, je te jure, il était là. Va jouer, mon chéri, hein. Papa discute. Les scrognonieux n'ont pas dit leur dernier mot. Ouvrons l'œil. Alors, dès qu'un truc cloche, appelle-moi, ok? Quoi? J'adore quand c'est aussi facile. Oh là là, comment est-ce que ça marche, ce truc? Si, prête-moi ton déguisement. Lâche-moi. Nemo, tu m'entends? Viens m'aider, c'est pas joli. Pas Burk a enlevé Max, ils vont vers le grand 8. Oh non! Non, c'est pas vrai! Ils sont partout! Et tous ces branchements actionnent les caméras de surveillance, elles-mêmes reliées aux écrans de contrôle. Mais venez voir. Ah oui? Oh bah zut alors! Ça marche plus du tout votre truc, monsieur le maire. Allez! Plus vite! Ça arrive, le mioche. T'inquiète, tu vas aller très très vite. C'est bon, vas-y, ma crevure, mets-leur le feu aux poudres. Tu
Ah, c'est toi? Tu vas encore arriver après la fête? Vous inquiétez pas, ça va redémarrer. Ouais, génial la descente. Kitou, ça va? Tenez bon, j'arrive. Oh, c'était juste seulement la, la prise. Oh, comme c'est bête, hein. Papa! Tu veux que je te dise, j'ai fait la descente tout seul. Tu la refais avec moi? Oh, inutile, tu as testé l'installation pour moi, hein. Eh bien, ça confirme ce que je pense, on peut donner des responsabilités aux enfants. Eh bien voilà, je n'ai plus qu'un mot à dire. Que la fête commence. Hourra! Avec nous? Désolée, mais nous, on a beaucoup de travail.